Donc, dernièrement, on était au gradateur à train d'onde. Donc, les gradateurs en triphasé, on le verra plus tard. Là, on va faire une application. Donc, application commande d'un four à puissance variable. On souhaite rénover un four de traitement de thermique triphasé actuellement commandé par un commutateur permettant d'avoir deux allures de chauffe en jouant sur le couplage des résistances étoiles ou triangles. La puissance du four est de 10 kW en couplage étoile sous 400 volts. Donc ici on a le synoptique. Contrainte, la température ambiante est de 30 degrés. L'altitude est de 1500 mètres. Température maxi du four 1200 degrés. Possibilité de régler la puissance de chauffe de 20 à 90% de la puissance max. La chute de tension est de 8 volts entre phase à 0,9 fois Pmax. Le gradateur choisi dans la gamme sera choisi dans la gamme TE200. Le régulateur est branché sous 230 volts alternative. Le gradateur sera sans ventilateur. Fonctionnement en train d'onde. Montage sur Raidin. Donc, travail demandé. Calculer la puissance max du four, quel sera alors son couplage? Donc ici, classiquement, ils font quoi? Ils font, pour avoir deux puissances de chauffe, ils couplent en étoile ou en triangle. Donc c'est ce qu'on modifie, on va mettre à la place de ce système un gradateur pour avoir une puissance de chauffe, pour avoir plusieurs puissances de chauffe. Donc ici, la puissance du four est de 10 kW en couplage étoile sous 400 volts. Donc, elle demande calculer la puissance max du four. Donc, dans la page 1, on a vu que la puissance en triangle est égale à 3 fois la puissance en étoile. Donc ici, on pourrait écrire que la puissance en triangle est égale à 3 fois puissance étoile, c'est-à-dire 3 fois 10 kW, puisque en couplage étoile, on a 10 kW. Donc ça fait 30 kW en triangle. Donc quel sera alors son couplage? C'est en triangle. Donc calculer l'intensité du courant absorbé, max, par le four et choisir le calibre du gradateur. Donc on va appliquer la formule de puissance égale Ui racine de 3 cosinus phi avec cosinus phi égal à 0. Donc cosinus phi de 0 est égal à 1. Donc I est égal à P sur U racine de 3 fois 1. Donc ce qui nous donne 43,30 ampères. Donc pour choisir le calibre du gradateur, on va aller sur une autre page. Donc ici on a on est à la page 8. Donc on a ici le courant nominal du gradateur. Nous avons calculé l'intensité qui était de 43, je sais plus 43,30. Donc on va prendre un calibre de 50 ampères. Donc le code c'est 50A. Donc calibre du gradateur c'est 50 ampères. Dans ces conditions d'utilisation, quel courant pourra-t-il réellement fournir? Donc toujours à la page 8, nous avons ici un graphe qui nous indique le courant admissible par le gradateur.
Donc, courant efficace par phase en fonction de la température ambiante. Premier pointillé, on ne voit pas bien. Premier pointillé, courant limité par fusible recommandé. Donc ici on a le courant efficace en fonction de la température. Donc il faut voir là dans les contraintes ce qu'il nous donne comme température ambiante, c'est de 30 degrés. Donc ici la température d'utilisation, c'est la température ambiante. Donc on est ici à 30, 30 elle est là. Donc les courbes, on a différentes courbes, ce qui correspondent au calibre du gradateur. Nous avons choisi un calibre de 50 ampères, donc on va prendre cette courbe et la température ambiante est de 30 degrés, donc je suis à peu près là, donc à 55. Donc là, dans ces conditions d'utilisation, il pourra fournir, d'après la courbe, jusqu'à 55 ampères. Ensuite, complétez le code commande à partir de la doc constructeur. Donc le doc constructeur, il est là. Donc pour commander le gradateur, on va prendre tous ces codes. Donc le modèle, on a deux types. On a un contacteur statique et gradateur de puissance. Donc si on va à la page 6, on voit que le gradateur est de TE200A. 200A. Par contre, le contacteur statique, ça je ne sais pas ce que c'est. Donc pour moi, c'est le gradateur, c'est 200. Ah, TE200A. Donc j'ai marqué 205, c'est faux, c'est 200A ici. Ensuite, en fonction du courant nominal, le code est 50A, ce qu'on avait choisi, 50 ampères comme calibre. Donc 50 ampères. Le réseau est de tension nominale entre phases est de 400 volts, donc 400 V. Ensuite, le ventilateur, on est sans ventilation d'après les contraintes, donc le gradateur sera sans ventilateur. Donc sans ventilation, ça correspond à 0,0,0, 3 fois 0, donc marque 3 fois 0. Ensuite, pour le signal d'entrée, ça c'est le signal d'entrée, si je ne me trompe pas, du gradateur. Donc c'est ce qu'on ne donne pas, ce qu'on n'a pas donné dans les contraintes. Par contre, on va prendre un 0,10 volts. Oups. Donc ouais, cette page que j'ai tant cherchée, elle est là. Donc ça c'est le signal de commande qui arrive du régulateur. Donc on va prendre un 0,10 volts. Donc ça c'est bon. C'est le signal d'entrée. Ensuite, on nous demande conduction des thyristors. On a deux modèles. On avait pris le modèle TE200A. Donc, on a train d'onde et sino. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, peu importe, mais on sait que ici, on est en fonctionnement en train d'onde. Donc c'est FC le code, donc on marque FC. Le rail,
Fixation. C'est Suraïdine. Donc on marque DIN. Langue du manuel, c'est français, donc on marque FRA. Option. Option. On a quoi? Alimentation séparée de l'électronique pour réseau non standard, modèle de TE200A, 115 volts ou 230 volts. Donc dans les contraintes, on n'y a rien pour le, il n'y a pas d'option, donc on ne marque rien. Ils n'ont pas donné d'option. Ensuite, pour une puissance égale à 75% de Pmax, déterminer TM, TC, TNC. TM c'est le temps de modulation, TC c'est le temps de conduction et TNC c'est le temps de non-conduction. Donc toujours dans la page 8. Nous avons ici en bas une courbe. Donc ici nous avons deux courbes. Le temps de conduction, ça correspond au paquet d'oscillations qu'on envoie. Le temps de non-conduction, il est là. C'est durant laquelle on n'envoie plus de paquets de tension sinusoïdale. Et TM, c'est le temps de modulation qui correspond à une période. Donc, ici, nous avons la formule de puissance qui est égale à taux fois puissance max. Taux, c'est le rapport cyclique correspondant au temps de conduction sur la période TM. Donc ici, dans l'autre courbe, on a le temps de modulation qui correspond à TC plus TNC. Et sur l'axe des abscisses, on a la puissance contrôlée qui correspond en pourcentage de Pmax. Nous avons ici, on nous donne dans le sujet, on nous dit de pour une puissance égale à 75% de Pmax. Donc ça veut dire que on est là, puissance max. Je vais faire un petit zoom. Donc 75% on est là. On monte. Donc là on est sur la courbe. Et là on va sur l'axe des ordonnées. Donc 1,5 secondes. Ici on a 1 seconde, 2 secondes. 1,5 il est là. Donc on est quasiment à la moitié de 1,5, ça doit dire 1,25 secondes. Donc le temps de modulation est de 1,25 secondes. Donc le temps de modulation on a trouvé. Maintenant, on pourrait calculer le taux. La formule du taux est égale à puissance max fois non, puissance est égale à puissance max fois le taux. Ici on nous donne la puissance est de 75% de Pmax. Ça veut dire que je vais déduire, je vais multiplier 30 000, qui est la puissance max qu'on avait trouvé en triangle, multiplié par 75%. Donc ça nous donne la puissance de chauffe, c'est-à-dire 22 500 watts. TM, on a trouvé qu'il est égal à 1,25. Donc P est égal à taux fois Pmax. Donc c'est-à-dire 22 500
ou encore 22,5 kW est égal à 2 fois 30 kW, le taux est égal à 0,75. Ou encore, on pourrait directement calculer le taux. En fait, il n'est pas calculable. Il nous donne déjà ici 75%, c'est le taux. Donc, on déduit directement en divisant par 100. 75 divisé par 100, ça nous donne 0,75. Donc, ça, c'est le taux. Donc, nous savons que le rapport cyclique, le taux est égal à temps de conduction sur la période. Taux est de 0,75. Donc, est égal à TC sur 1,25 secondes. Puisque le TM est égal à 1,25. Donc, TC égale 1,25 fois 0,75. Ça nous donne 0,93 secondes. Donc ça, c'est le temps de conduction. Le temps de modulation est égal à TC plus TNC. Donc TNC est égal à TM moins TC. Donc TM moins TC, TM 1,25 moins 0,93, ça nous donne 0,31 seconde. Ça, c'est le temps de non-conduction. Donc, pour une puissance de 0,9 de Pmax, déterminer la chute de tension en pourcentage et le temps de modulation TM. En déduire le nombre de variations par minute. Avant de déterminer la chute de tension en pourcentage, une petite explication s'impose. Donc, si on regarde le synoptique, on a ici le four et l'éclairage qui est relié au tableau de distribution. Et ensuite, ça va au TGBT. À savoir que le four a une puissance plus grande que la puissance absorbée par l'éclairage. Donc, lorsque le four il fonctionne, le courant est important dans la ligne, donc la chute de tension sera importante au niveau ici. Donc, l'éclairage il va baisser, c'est-à-dire le flux lumineux. Donc, si on regarde cette courbe, cet oscillogramme. Ici, nous avons le temps de conduction, le temps durant lequel le four il fonctionne. Donc, pendant cette phase, l'éclairage, l'intensité lumineuse va baisser. Et pendant le temps de non-conduction, l'intensité lumineuse va augmenter. Donc, il y aura une variation d'éclairage. Une variation de lumière. Donc ce qui n'est pas bon pour les yeux. Donc ici, on nous demande quoi? De déterminer la chute de tension en pourcentage. Donc si j'ai une chute de tension de 400 volts, donc ça correspondrait à 100 en pourcentage. J'aurais 100% de chute de tension. Donc ça, il faut le barrer. J'ai marqué 100 volts. Ça, c'est pas bon. Donc si j'ai une chute de tension de 8 volts, ça correspondrait à x%. Donc 400x égale 800. Donc x égale à 2%. Donc j'ai une chute de tension de 2%. Donc maintenant, on nous demande ensuite le temps de modulation TM. Donc nous savons que le taux est de 90%, puisque 0,9 c'est 90% de Pmax.
Donc, puissance contrôlée est de 90% du Pmax. Donc, on se situe à peu près là. Donc, on monte pour voir le TM. Donc, le TM correspondant est de 3 secondes. Donc, 3 secondes. Donc, ça, on le marque ici. Ensuite, on déduit le nombre de variations par minute. Donc, j'ai une variation toutes les 3 secondes. Donc, qu'on avait trouvé 3 secondes tout à l'heure. Donc, une variation, ça dure 3 secondes. Donc, j'aurai x variations pendant 60 secondes. Donc, 3x égale 60. X égale 60 divisé par 3, ça donne 20 variations par minute. Donc, ici, le TM est 3 secondes. Donc, pour de ce qui est de flux lumineux, j'aurai une variation toutes les 3 secondes. C'est-à-dire, durant le temps de conduction, la lumière va baisser et puis la lumière va augmenter et ça va recommencer toutes les 3 secondes. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Ça, on ne le sait pas. Donc, ce qu'on va le vérifier à partir de la courbe de flicker, si l'éclairage peut être perturbé, justifiez votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette courbe de flicker? Donc, pour ça, il faut aller à la page 4. Flicker ou scintillement des sources lumineuses. Le flicker correspond à des variations lumineuses. Il résulte de faibles fluctuations provoquées par le fonctionnement de charges variables importantes, soudeuses, four à arc, gradateurs à train d'onde, etc., etc. Il provoque une fatigue physique et psychique pour les usagers de l'éclairage raccordé à proximité de la charge perturbatrice. Donc ici, on nous donne sur l'axe des ordonnées la chute de tension en pourcentage et sur l'axe des abscisses le nombre de variations par minute. Donc la chute de tension varie de 0,1 à 10%. Ensuite, on a le nombre de variations et l'échelle est logarithmique pour les deux axes. Donc, nous avons vu que là, on avait ici une chute de tension qui était de l'ordre de 2% pour les 8 volts entre phase à 0,9 fois la puissance max. Donc, on va se reporter sur la courbe. Donc, 2%. 2% ici on a 1, 1,71, donc 2 il est là. Donc on va regarder. Donc là on est sur la courbe, on descend, on se tombe là. On a ici 1, je vais prendre l'autre. Là ici j'ai 1, 2 il est là. 2 il est là, donc le 3 il est là, donc on est environ à 2,5. On a 2,5 variations par minute qui est bon, qui est admis d'après la courbe de Flicker. Or on a une variation de, on avait calculé, on avait une variation de 20 variations par minute qui est largement très grand par rapport à 2,5 variations par minute admise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait dire que on pourrait faire baisser la variation par minute en faisant quoi? En agissant sur le TM. Donc, si j'agis sur TM, ça veut dire que
Pour 90%, j'avais 3 secondes de TM. Si je baisse TM, ça veut dire que je baisse la puissance contrôlée. Donc j'aurai 75% ou 50%. Donc ça, ce qu'on ne peut pas, on ne veut pas, parce que ça, de toute façon, il est imposé par le gradateur. Donc on va agir sur la chute de tension. En faisant comment? On va augmenter la section du câble. Donc en augmentant la section du câble, on va diminuer la chute de tension, on va le ramener à 1%. Donc 20 variations est là, donc ça correspond à 1% de chute de tension. Donc c'est ça qu'il faut justifier. Ensuite, donner la référence des protections fusibles. Donc pour ça, on va aller sur dans la page, je sais plus, page 8. Donc ici on a le courant TE200. On avait un calibre de 50 ampères du gradateur. Donc le calibre du fusible est de 63 ampères. La référence est celle-là. Donc ouais, FI22, 5B, 5DA00. 5A, pardon. 00. Donc c'est pas 55, c'est pas 5 ici, 5A, c'est 50A. Je reprends FI22, 58, 50A, 00. Donc ça c'est la référence du fusible. Ensuite, quel type de thermocouple faut-il utiliser? En fait, le thermocouple c'est la sonde de température. Donc oui. Donc ici dans les contraintes on le donne le max, la température maxi du four est de 1200 degrés. Donc la sonde de température ça va nous permettre d'avoir la température du four. Il faudrait bien mesurer la température. Donc à la page 9, on nous donne différents types de thermocouples. Donc il existe différentes natures de couples. J cuivre constanton allant de moins 40 à 750 degrés. Donc nous on a besoin de mesurer jusqu'à 1200, c'est pas bon. K nickel chrome nickel allié de 20 moins 20 à 1100, ça c'est pas bon. N nicrosyl nisyl allant de moins 200 à 1200. Donc ça c'est bon. S platine rhodier 10%, platine jusqu'à 1600 degrés, donc c'est aussi bon. T cuivre constantant allant de moins de 100 à 350 degrés, donc ça c'est pas bon. Donc on pourrait utiliser de type N ou S. Ensuite on a le schéma de branchement de l'ensemble. Donc avant de voir le schéma de branchement, on va faire un peu de cours. Donc le critère de choix d'un gradateur va porter sur la tension de réseau et courant dans la charge. Tension réseau si c'est monophasé ou triphasé. Ensuite le courant absorbé par la charge. Ensuite, suivant l'utilisation, c'est-à-dire découpage de phase ou train d'onde. Ensuite, du signal de commande analogique venant du gradateur. Si je ne me trompe pas, c'est entre 0,10 volts ou 80 milliampères. Les deux essentiellement qui est très utilisé. Ensuite, et ça va dépendre également de l'environnement, c'est-à-dire de l'altitude, de la température, de l'indice de protection IP. Ensuite, le schéma de principe. Gradateur associé à un régulateur.
Donc ici, nous avons un régulateur, un gradateur alimentation 230 volts, un four à 10 kW. Ici, nous avons une sonde. Alors moi, ce que je veux, c'est que ma température soit constante. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais régler ce qu'on appelle la consigne au niveau du régulateur, soit à l'aide d'un potentiomètre ou d'un clavier numérique. Ma sonde de température, lui, il l'envoie quelques millivolts au transmetteur. Le transmetteur, lui, il envoie une tension qui est l'image de la température au régulateur. Mon PID, lui, il va se charger d'envoyer le signal de commande. Si la température Uθ, la tension de température Uθ est inférieure à la consigne, Uθ qui est l'image de la température venant de la sonde est inférieure à la consigne, alors mon régulateur lui il envoie 10 volts pour faire chauffer le four. Donc j'aurai des trains d'onde à la sortie du gradateur. Si Uθ, l'image de la température, est supérieure à la consigne, il ne va rien envoyer, on aura 0 volts. Donc le PID, c'est un bloc intégré dans le régulateur. Alors, lui, il marche comment? Ça, c'est pour l'information. Si mon erreur, l'erreur, c'est la différence entre la consigne et Uθ. C'est-à-dire la tension de consigne et Uθ. C'est la différence. C'est en fonction de l'erreur, lui, il va envoyer un signal de commande compris entre 0 et 10 volts. Donc on pourrait comparer au PID, comment dire, on va donner un exemple. Je dois remplir un baignoire. Si j'ouvre le robinet à fond, le baignoire va se remplir très rapidement. Si j'ouvre le robinet à moitié, il va mettre plus de temps à remplir la baignoire. Donc c'est comme ça que ça marche la PID, c'est de proportionnelle intégrée, intégrale dérivée. Donc ça c'est juste pour info. Maintenant, on pourrait passer au schéma de branchement du gradateur. Alors pour le branchement, il faut aller à la page 6. Donc ici nous avons le régulateur, on retrouve le four, la sonde, ici le régulateur. Et le transmetteur, il est intégré à l'intérieur du régulateur. Donc on avait bien régulateur, gradateur, four, transmetteur, qui est intégré à l'intérieur du régulateur. La consigne, elle est réglée via un clavier numérique. Alors pour ce qui est de branchement, on va d'abord faire un petit zap à la page 3 où on nous donne les gradateurs en triphasé. Ici nous avons un découpage de phase. Donc on a trois thyristors sur chaque phase. Donc ici on a la charge qui est couplée en étoile ou triangle. Donc il faut protéger les trois thyristors par un fusible. Pour ce qui est de train d'onde, on est également en triphasé. Par contre, on n'a que deux thyristors sur phase 1 et 2. La charge est couplée en étoile ou en triangle. Les fusibles, ils sont ultra rapides de type UR. Donc il suffit de contrôler
seulement les deux phases. Donc c'est ce qu'on voit dans la page 9. Donc ici nous avons le régulateur. Ici on a la tension de la lime, le sectionneur porte fusible, protection des thyristors fusible externe ultra rapide préconisée sauf application émetteur infrarouge. Ensuite ici on a la borne terre. La phase 3 elle est reliée directement. Ici on a la charge étoile sans neutre ou triangle fermé. Ici on a le signal de commande analogique qui arrive. Donc on pourrait passer au câblage. Donc la sonde, on le relie au V plus V moins du régulateur. Là, on voit mieux. Donc on a ici V plus V moins qui arrive du sonde. Ensuite, ouais. Donc on a ici 1A, 1B qui est la commande analogique. Donc on va le relier le 0 volt qui est 1B aux bornes 9 qui est le moins. Le plus du régulateur, on le relie aux bornes 8 au plus du gradateur. Ensuite, les récepteurs, ils sont couplés en triangle qu'on le relie au gradateur. La borne, on a ici trois bornes, ligne neutre, E c'est Hertz comme terre. La ligne, on le relie à la phase 1, le neutre au neutre et la terre aux bornes terre. Et on n'a pas oublié de relier au gradateur. Donc ici on a les sectionneurs porte fusible. Donc on protège que le thyristor 1 et le thyristor 2, puisqu'il y en a seulement deux. La phase 3 elle est reliée directement. Donc là ainsi s'achève sur le cours sur le gradateur.